désagréable. Content, là, je sais pas. Je suis content de voir qu'il y en a qui peuvent prendre le flambeau. C'est le fun parce que moi et toi, on a une saison différente. T'sais. Ouais.
Ouais, ben au moins, en tout cas, ça, le roulement se fait là, mais m'a dit, j'ai hâte de remonter au bat avec toi. Bah, ce Au n'est que printemps. partir à mille, mon frère, si jamais bien loin. Ouais, non, c'est ça. Au printemps, on s'en promet des solides. Yes. Hey, respect, mon frère. Salut, gang, respect, mon Merci, frère. Steve. Bye. Full fruit. Bon, là, je vais aller C'est voir commencé? André. André, finalement. André s'en vient, le joue en cours. André, tu te roules proche de son téléphone. Hey! Salut, André! T'as Salut! mis tes full patch de DeWalt? J'entends pas, par exemple. T'as mis tes full patch de DeWalt? J'entends pas. Aïe, aïe, ils font que nos affaires, hein, nous autres, ils nous aiment pas. Pas Pour? toi si tu m'entends, là. Ouais, je t'entends. Moi, je t'entends. Tu m'entends-tu? Moi, je t'entends pas, zéro pin bon. Ben, moi, je t'entends super bien. Faut que tu débarques et que tu rembarques. T'es-tu là, André? Tu m'entends-tu? Tu m'entends pas? Débarque, André, percevoi une demande. Hey, salut tout le monde, T'entends pas? bienvenue à Débarque, ce toi! Mercredi. Ouvre Je le suis gaz! extrêmement content d'être avec vous pour la soirée. Ce qui est en train de se passer, c'est que Martin, il y a un CA super important avec le Festival des guitares de Rouyn-Noranda, une activité que je vous invite fortement à rajouter sur vos gentils réseaux sociaux. On est bien au Mercrosse. Puis je suis avec Bone, qui est on the side, qui est en train de s'empiffrer. Et donc, voilà, on peut commencer un petit peu comme d'habitude. J'ai un préambule. Encore une grosse soirée ce soir, alors qu'on se remet difficilement d'une importante manifestation devant la maison de Frankie Legault, d'un troisième convoi de zone rouge à Québec et d'une autre semaine plein de jours du Kraken. Un petit peu comme le jour de la marmotte, mais on ne savait jamais si le Kraken sortait, ça. Tandis qu'on attend encore la venue du Kraken, voilà, du côté de nos amis conspi. Si la semaine dernière, je mettais en relief le fait qu'en se battant contre le Great Reset, les conspi détournaient peut-être l'attention des combats utiles et en fait s'impliquaient dans des causes qui sont un petit peu contraires à ce qu'ils promeuvent, j'ai beaucoup aimé cet article sur lequel je suis tombé. Et QAnon, s'il y a une affaire que c'est bien important pour eux autres, c'est d'arrêter les pédophiles. Mais parce qu'ils ont comme hijacké le hashtag Save the Children, ça rend beaucoup. Je veux dire, c'était pas utile à ça avant. Avant, c'était utile pour sauver les enfants. À cette heure, c'est pour QAnon sauver les enfants. Et il y a aussi, j'ai lu dans un autre article, que les. Aïe, tu sais ça si c'est pas adresse. Parce qu'il y avait tellement de téléphones de gens qui dénonçaient des vedettes hollywoodiennes en Californie, tu sais, des gens blabla, je l'ai vu lui avec un enfant, mais ça ouvrait tellement d'enquêtes que ça venait déranger le travail des escouades de police qui sont consacrées à essayer d'arrêter les pédophiles, parce que c'est un vrai problème de société, les pédophiles. Quand c'est traité comme ça, j'ai beaucoup de difficultés. Donc oui, QAnon fait encore partie des affaires à la base que j'essaye de petit peu comme brasser les gens, informer ceux qui savent pas, ou peut-être ramener ceux qui sont juste curieux pour l'instant. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les enfants. Ça veut dire que c'est ça. Effectivement, en prenant le contrôle, ouais, je viens juste de le dire. Ce soir, donc, on s'en va. J'ai décidé de commencer avec ce clip-là, beaucoup pour illustrer le fait que ça a l'air plaisant, leur affaire. Dans le sens que si moi et mes chums, on avait à planifier des campings en avant du Parlement pour aller manger des hold-oeil, puis qu'on sait qu'il y aura comme pas vraiment de problème, puis qu'il y a même du monde qui vont s'intéresser à ce qu'on fait. Tu sais, tu fais ça avec tes chums, c'est comme une fin de semaine de camping. Ça, c'est juste qu'ils sont caves en crise, mais ça a l'air plaisant.
Et là, ils ont mangé des hold-oeil. Dans ce clip-là, en fait, à un moment donné, ils parlent des itinéraires, puis ça a l'air d'être deux adolescents qui sont en train de monter leur fin de semaine de camping en skidoo ou en quatre roues. Je me rappelle avoir déjà fait ça. J'ai ce feeling-là, en plus, avec le DeWalt et tout. Donc, sinon, ben, je pense pas qu'on va écouter ça au complet. Il y a un moment donné, Tidré, là-dedans, il dit... parce que là, Mario, il dit, ouais, il y en a qui disent que parce que le Parlement, il y a personne dedans en fin de semaine. Puis il dit, ben, tant mieux. S'il y a personne dedans, ça va être plus facile de rentrer. Là, Mario, il dit, ouais, mais fais attention, on veut pas avoir l'anti-escouade, blablabla. L'autre, il fait, oh, je veux juste dire des, oh. Tu sais, c'est que c'est poil. Ça sert à rien de dire ça. Oui, pendant ce temps-là, les gens se privent, on s'entend. F4, c'est qu'eux autres, il faut se mettre dans leur tête aussi, c'est que. Pour eux autres, il n'y a pas de virus mortel. C'est ça. Il y a des sources d'informations qui ont réussi à convaincre des gens qu'il y avait une solution magique au bout de ça. C'est un petit peu ça qu'on explore aussi chaque mercredi, parce que ce soir, on va encore avoir des images. On va retourner, en fait, à l'église avec Carlos Norbal et Richard Justice. On va rencontrer un militaire qui est immunisé à la science. Une visite d'en face de Madame Ramène à Affine de Proche. On va dans sa face. Et quelques updates importants, notamment au niveau de la Jacinthe Bélanger-Sphère, Simard Sauce-Sphère, le Myriam Kaiser-Sphère, Manon Coutu-Sphère, José Rivard-Sphère. La seule de ces personnes que c'est pas quelque chose de cette semaine ou de genre l'autre d'avant, ça va être José Rivard. José est tranquille. Elle nous a fait quand même, là, deux semaines, la performance d'une vie. On lui souhaite le mieux à José. Le mieux, ça peut ne pas être sur Facebook. Ça de même, t'sais. On va aussi aller rencontrer David Icke, un gars que j'aime depuis à peu près 20 ans, de qui je riais déjà dans le temps, et je vais sûrement en avoir beaucoup à vous dire. C'est un peu le pape, ben, c'est le pape des conspirations modernes. C'est celui qui a réussi à faire du conspirationnisme une job adaptée au 21e siècle, sans... Tout le monde imite son format puis sa manière de faire depuis. C'est sûr et certain que c'est un mentor de Alexis Koresh-Trudel. Donc, autre nouvelle, une Nathalie... ah oui, on va avoir, bien entendu, une autre nouvelle personne à vous présenter, en plus de David Icke. On va avoir Nathalie Abiven. J'ai écouté les 30 premières secondes, puis je me suis dit, on prendra pas de chance, on va prendre une chance. Et on va découvrir ça, c'est un petit 10 minutes, mais il paraît qu'elle parle des très, très importants arcturiens. C'est quelque chose que j'ai lu sur mon plan. Hein, je peux vous le montrer, là, le plan est ici. Tout est là-dessus. Tout est là-dessus. Tu peux pas te tromper avec ça. T'as de quoi faire des liens jusqu'à après-demain tantôt. Hein, mon Tidré, hein? Toc! Il est capoté, il est encore en train de jaser. Donc, oui, les Arthuriens, on va avoir quelques coquilles d'Alexis Cossette-Trudel. Je remercie d'ailleurs la personne qui me les a envoyées. Si elle est dans le chat, en tout cas, on va en reparler, c'est sûr. On va avoir aussi une petite tranche de Stéphane Blais, parce que je trouve que, tu sais, on n'en parle plus beaucoup. On dirait qu'il laisse peut-être ses créations danser devant lui en attendant le moment pertinent pour intervenir. Je ne sais pas. On va l'entendre parler là. Qu'est-ce qu'il va avoir aussi? On va avoir, quelques chansons. Bien entendu, j'aime ça. Je prends les chansons qui passent, c'est sûr et certain. On va avoir un clip plus long. Il y a deux clips qui durent 20 minutes ou plus. C'est-à-dire 23 minutes avec Nana, qui a eu une très grosse semaine. Elle, c'est capoté. Hein. D'ailleurs, je vais aller vous le montrer. C'est quelque chose que je trouve extrêmement important à discuter. Il y avait la madame Kim Glow qui en parlait un petit peu tantôt quand on l'écoutait pleurer parce que c'était super triste ce qu'elle vivait. Je veux vous amener un instant sur le channel YouTube de Nana, l'information autrement. Maintenant, elle est à 26 400 abonnés. V'là, deux mois, est à peu près à 800. Donc, elle a trouvé un filon. On peut rapidement retourner en arrière. Quand ça parle d'affaires, bracelets de distanciation, ah, Trump, il saute 49 000 views. 97 000 views quand tu commences ton clip avec Trump. Donc, elle a comme ici, à sortir d'un monde toxique, 744, pas de Trump. Elle est, mesdames et messieurs, rendue
prisonnière de son fanbase. Ici, Trump, j'ai gagné les élections, 134 000. 80 000 pour Donald Trump, encore. Trump, 101 000. Ici, policier du peuple, 22 000. Ben là, ce que je veux, c'est des views. Fait que je vais recommencer. Mon fils, il y a une formule qui est en train d'être établie. Est-ce que c'est l'œuf? Est-ce que c'est la poule? Est-ce que c'est le public ou est-ce que c'est le créateur? C'est une boule. Hein? Il y en a un qui encourage l'autre. Elle, si elle veut continuer à développer son crew, si elle veut pas revenir à 700-800 views par clip, tout en continuant à faire des clips, parce que si à un moment donné, elle commence à faire d'autres choses, elle se fait taper ses doigts par son monde. C'est pas seulement hein, « j'ai pas regardé ta vidéo », c'est « pourquoi tu fais des vidéos comme ça ?» Pourquoi tu me parles pas des affaires que je veux entendre dans les mots que je connais, puis les mots que je veux entendre? Donc, voilà, on l'a vu venir. Nana est rendue prisonnière. Ici, c'est rendu juste des faces de Trump. J'ai trouvé que c'était important d'écouter un clip. On va ici avoir celui-là, l'information autrement, mes positions sur la... Non, je pense que c'est lui ici qu'on va avoir autrement l'Amérique, ensuite le monde. C'est le plus long de Nana qu'on a ce soir. Et l'autre plus long, mesdames et messieurs, j'ai comme une semi-mauvaise nouvelle qui est associée. C'est un 30 minutes de Carl et Marie. J'ai très hâte de le découvrir. L'affaire, c'est que Carl et Marie, ils ont semi beaucoup de vidéos. J'en ai encore une 20-30, mais la majorité sont une heure et demie, deux heures. Je fais juste lancer ça dans l'air. Fait que peut-être qu'à un moment donné, on va commencer à écouter 45 minutes d'un clip ou une demi-heure. On arrête là, on recommence la fois d'après. Je vous tiens au courant. Totale transparence. On effacera cette vidéo-là. Ma femme était en petite tenue en arrière. Pas vrai, mon Mario puis mon Tidré. Parlez-moi un petit peu. Là. Martin va arriver tantôt. Ça se présentait là. Ça serait simple à tabarnouche. Moi, j'aimerais ça. Il y a un gros qui parle, c'est qu'on a du fun, mais tiens, on a du fun. Oui, on a du fun, dans le fond, dans le sens, ça fait ça, dans le sens qu'on veut aider le monde, on veut essayer de réveiller le monde. Mais à quelque part, là, moi, j'ai une vie, toi, t'as une vie, j'ai des enfants, j'ai des obligations, moi aussi, puis je m'investis, c'est pour la cause. Puis je le fais avec cœur. Fait que, tu sais, au lieu de venir me critiquer, ben, fais donc pareil comme moi, investis-toi. Au lieu de rester assis sur ton divan pendant... Hier, en fin de semaine, nous autres, on va être là. Comme l'autre fois, là, on était trois jours là-bas. Puis le monde critiquait, là, ce monde-là. Ils ont été trois jours dans la maison, assis devant les ordinateurs, puis à blablabla. Tandis que nous, on essaie au moins des choses, puis on essaie au moins de se faire entendre. Peux-tu essayer de rester chez vous? Tout à fait. Que... Là, t'as commencé à te préparer ton véhicule, toutes tes affaires sont set-upées. C'est ouais. Le bout. Oui. Parce que moi, tu le sais, lundi, là, je quitte pour le Nouveau-Brunswick. Oui, tout à fait. Ouais, tu m'en as parlé hier. Puis là, il y a-tu... Parce que là, la semaine, pas la semaine passée, là, deux semaines, on avait un barbecue. Y a-tu un appel au barbecue que tu aimerais faire? Parce que je sais qu'on en a parlé un petit peu tantôt. De la manière ça va marcher là-bas, les gens peuvent amener leur barbecue supplémentaire. Bien, c'est ceux qui ont un pick-up.